Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une application qui n'était pas du tout, de chez pas du tout, accessible. Et aujourd'hui, ce matin, après différents tests, je viens juste de m'apercevoir que cette application est devenue complètement accessible. Et cette application s'appelle Molotov. Molotov. Cette application est une application gratuite. Vous pouvez, par le biais d'un abonnement, avoir des options supplémentaires. Mais pour regarder la télé en direct, pour regarder certains reportages, pour regarder certaines séries, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Avant, aucun bouton n'était étiqueté. Aujourd'hui, tous les boutons sont étiquetés avec le Voice Assistant. J'ai testé sous iOS, ça a l'air d'être accessible, mais pas tout à fait encore. Dans tous les cas, sur Android, ça a l'air de l'être, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère donc qu'elle va vous plaire, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne, qu'elle vous donnera envie de liker et de partager avec vos amis. On va tout de suite rentrer dans Molotov TV, donc une application pour la télévision, entièrement gratuite, compatible toute plateforme iOS, macOS, Windows, Android, sur tout système, smartphone, tablette, etc. On va ouvrir donc Molotov TV. Molotov. Affichage des éléments à l'once sur 93. Alors, au tout départ, lorsque vous allez ouvrir, lorsque vous allez télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'App Store, vous allez donc installer cette application et vous allez devoir créer un compte. Ce qui veut dire que vous allez soit passer par votre compte Facebook, par votre compte Google ou créer directement via une adresse mail et un mot de passe votre compte Molotov. Une fois ceci exécuté, je vous montre ici sur l'écran en très gros, l'application est lancée et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'elle nous raconte dès le départ. Rechercher. Alors, lorsqu'on ouvre l'application, on arrive tout de suite sur les différents directs qui sont actuellement à la télé. Ce soir, Westworld sur Rock City, De Mestel sur Rock Max. Rechercher. Tout en haut à droite, on a un bouton rechercher. Si vous connaissez votre série, si vous recherchez un documentaire précis, vous pouvez passer par ce biais-là. Iconcast. Quoi de na Iconcast. Déconnecté. Quelque chose de super important. Si vous possédez un Chromecast, vous allez pouvoir caster l'écran de Molotov sur votre télé. Ça veut dire que si vous n'avez pas, par exemple, le documentaire, si vous n'avez pas trouvé le documentaire sur votre télé, si votre télé n'est pas accessible justement via un lecteur d'écran, eh bien vous allez pouvoir balancer via l'icône cast tout ce qui se trouve sur votre écran smartphone sur votre télé. Ça, c'est franchement génial. On peut donc caster sans aucun problème. Quoi de neuf? En direct. On arrive donc sur l'icône en direct. Pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne comprennent pas pourquoi éventuellement mon téléphone est en train de parler en étant déficient visuel, je fais beaucoup de vidéos sur l'accessibilité, je fais beaucoup de vidéos sur du déballage, sur des choses que j'achète et que je vous montre par rapport aux fonctionnalités, par rapport à l'accessibilité, par rapport à tout ce qui se fait au niveau de l'high-tech. On continue la navigation sur l'application. Ce soir, Westworld sur Rock City, De Mestel sur Rock Max, en ce moment. On va donc regarder en ce moment. En ce moment, les 12 coups de midi sur TF1, encore 25 minutes, afficher les détails, bouton. Avant, tout ceci n'était pratiquement pas vocalisé. On avait énormément de mal. Alors, j'en profite en même temps dans cette vidéo. Si les développeurs de Molotov m'entendent, m'écoutent, regardent cette vidéo, de dire félicitations. Je vous mets donc un très gros pouce bleu à vous, les développeurs de Molotov, car vous avez fait beaucoup de travail pour rendre maintenant l'application accessible. Et c'est vraiment super sympa de votre part. On remercie vraiment tout le monde qui a œuvré à ce que l'application Molotov soit accessible enfin au lecteur d'écran. Un grand merci, il faut le souligner, il faut toujours dire quand c'est bien, vraiment génial.
Et on va continuer donc la navigation. En ce moment, tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Encore 27 minutes. Afficher les détails. Bouton. Comme vous pouvez entendre, on a donc le titre, le temps qui reste pour la fin de l'émission. Et on peut même avoir, si je clique deux fois dessus, ici, en ayant cliqué deux fois dessus, on a... Affiche touche. Regardez. Le bouton regarder. Regardez touche. Bookmarké touche. Touche qui va nous permettre, ici, regardez. France 2. Bookmarké cet épisode. Bookmarké la série. Tous les futurs épisodes seront enregistrés. Fonctionnalité disponible avec les offres payantes. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo, il va donc falloir... Il me semble que c'est de l'ordre de 9 euros, une dizaine d'euros d'abonnement pour pouvoir bookmarker en fait toutes les émissions, enregistrer les émissions. Vous avez donc un vrai magnétoscope, vous avez un vrai enregistreur et vous allez, grâce à cette façon, enregistrer toutes les émissions, tous les films préférés que vous avez. On va revenir un petit coup en arrière. Retour touche, recommander touche. On peut éventuellement recommander cette émission. Si candidat joue. En répondant à des questions de culture générale, pour devenir le challenger du jour et affronter, en fin d'émission, le champion en titre, dans le but de lui prendre sa place. Regardez touche. On peut lui demander de regarder. Double. Affichage paysage. Reproduit un son. Donc c'est comme un scan, comme, je sais plus comment ça s'appelle, les pictogrammes, là, enfin les... Zapier touche. Icône cast. Voilà, ça. Donc c'est ce genre de tatouage là et vous le mettez dans la sur. Et ça va faire de l'aliment 1 sur 1. Casté sur. Premier S casté sur. Salon Chromecast. Voilà, comme vous avez vu, je peux caster sur salon puisque mon Chromecast s'appelle donc salon. Donc n'hésitez surtout pas à télécharger cette application, à la tester, c'est gratuit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous allez vraiment, je pense, adorer cette application. Maintenant qu'elle est accessible, n'hésitez surtout pas à la tester et même à la mettre sur vos tablettes et smartphones. Car grâce à celle-ci, même à l'extérieur, en transport, vous allez pouvoir écouter vos émissions, vos documentaires préférés. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.